Élections régionales juin 2021. Qui sont les candidats en Île-de-France ? 11 candidats brigueront le suffrage des électeurs à l'occasion des élections régionales de juin, voici leur portrait. Valérie Pécresse, Libre. Candidate à sa propre succession, elle a fait de ce combat un enjeu majeur pour sa carrière politique. La présidente sortante a affirmé qu'elle quitterait la politique en cas de défaite. Sa campagne aura pour axe les transports, l'éducation, la sécurité et l'écologie. Audrey Pulvar, PS. Actuelle adjointe au maire de Paris, Audrey Pulvar défendra les couleurs du Parti Socialiste pour redorer le blason de la gauche en Île-de-France, la candidate mise sur l'écologie. Julien Bayou, ELV. Toujours à gauche, on trouve Julien Bayou dont la pierre angulaire du programme tourne autour de l'écologie. Le candidat mise notamment sur les transports du quotidien plutôt que les gros projets. Clémentine Autain, LFI. La députée de Seine-Saint-Denis soutenue par le PCF ne cache pas sa priorité qui sera la question sociale et écologique, objectif, réduire les inégalités et promouvoir la gratuité des transports. Nathalie Arthaud, LO. Porte-parole de lutte ouvrière, la candidate fera entendre la voix et les intérêts des travailleurs, augmentation des salaires et des retraites sont au programme. Laurent Saint-Martin, LREM. Le candidat du parti présidentiel souhaite la création d'une police régionale dans les transports et la mise en place d'un fonds d'investissement pour relancer l'économie régionale. Jordan Bardella, RN. Le vice-président du Rassemblement national annonce la couleur avec pour slogan le choix de la sécurité, parmi les propositions, dotation financière pour le matériel des forces de l'ordre. Éric Berlingen, UDMF. Le candidat de la liste de l'Union des démocrates musulmans français a déposé une liste Agir pour ne plus subir. Victor Pellac, Oser l'écologie. Le jeune candidat s'était présenté aux élections municipales à Conflans-Sainte-Honorine au nom du REV, Parti écologiste et antispéciste Révolution écologique pour le vivant. Fabio Conti, Volt. Le candidat du mouvement pro-européen mènera la liste Île-de-France, Île-d'Europe. Lionel Bro. Cet électricien conduira la liste France Démocratie Directe. Ancien gilet jaune Julien Bro se présente comme un candidat anti-masque. Vous savez désormais qui ils sont. Alors rendez-vous en juin pour avoir le dernier mot. C'était l'info partagée, d'après une information de 78 Actu.